On va, monsieur Forcier. Yes. Nouvel entraîneur des Impériaux de Sorens. Je voulais vous demander, vous avez travaillé dans le collégial pour le collège de la Flèche, les Dragons de la Flèche, non? Oui. Faites 2 ans avec eux autres. OK. Vous êtes un entraîneur plus du côté tacticien, hein, je crois. Ouais, si on veut, écoute, je suis plus un technicien, je pense, qu'un grand motivateur, écoute, mais c'est ça, je te dirais, un technicien. Ouais. Vous aimez mieux préconiser le jeu défensif ou offensif, vous? Les défensifs gagnent des championnats. Ouais, ça c'est vrai. Je suis amplement d'accord avec toi. Yes. Et ce soir, à quel genre de match vous attendez, vu les grands honneurs qui vont être mis? Ça devrait être une motivation supplémentaire pour vous? Ben écoute, on avance là-dedans et présentement, je pense qu'on joue bien nos dernières games. Faut pas lâcher là-dedans. Puis écoute, ça c'est n'importe quelle équipe devant nous. Faut continuer à bien jouer et aller chercher des points de classement pour essayer de se positionner pour les playoffs. Ouais, je pense que dans les playoffs, ça pourrait tourner de bon. Les Éperviers sont pas à prendre à la légère quand même. Vous avez un bon trio offensif, Serpentier. Avec le retour de Stéphane Leroy, êtes-vous d'accord là-dessus? Oui, avec l'éveillé, écoute, je pense qu'ils sont retrouvés. C'est sûr que Stéphane, je pense qu'il en met plus aux deux. C'est un gars qui joue bien, qui fait bien paraître ses alliés avec lui. Puis je pense que les deux autres, ils en donnent plus parce qu'ils voient que le centre les alimente bien. Alors, je vais conclure mon entrevue là-dessus. Je suis très content que vous soyez arrivé à Sorel. Et puis, merci beaucoup, Serge. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.